Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Elkinou. Et il s'agit... Enfin, c'est Elkinou avec un casque chelou. Et il s'agit de la découverte et du premier épisode, je pense qu'on peut le dire, à moins qu'il y ait des soucis techniques, de The Room, A Dark Matter, une matière sombre, en réalité virtuelle. Apparemment, on peut avoir la main gauche et la main droite, et la main gauche et la main droite. Alors, ça va être un petit peu bizarre, parce que la caméra... de la PlayStation est là. Du coup, forcément, je vais être obligé de mettre le pad un peu haut. Mais bref, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est exclusif réalité virtuelle. Je pense pas que ça soit exclusif PlayStation. À mon avis, ça doit être disponible sur Steam aussi, ou sur Xbox, ou l'un, ou les deux, ou les trois. Voilà. Je vais peut-être aussi toucher le micro des fois. On va faire en sorte que non. Eh ben, on est parti. Comment on fait? Comme ça. On va regarder rapidement les options. Alors, astuce, désactiver s'il te plaît. Paramètres du profil, donc il n'y a que ça, ok. Changer profil, on s'en fout. Ok, on a que dit non. Nouvelle partie. Ouais. J'espère que les astuces, c'est pas le didacticiel aussi, parce que sinon... Poste de police de Bloomsbury, 18h18, 22 octobre 1908, très important. Nous sommes à Londres apparemment aussi. Il se fait tard, je devrais retourner travailler. Ça c'est ma main, ok. Je vais retirer ça aussi. Rotation, hanter le joystick gauche, le joystick droit de côté pour tourner, ok. Ah ouais d'accord. Se téléporter vers le lieu, appuyer sur l'une des touches pour afficher les lieux où vous pouvez vous téléporter, relâcher pour vous téléporter. Alors, attends, déjà, je check le chat rapidement. Coucou Jim là-haut! Je peux pas lire le chat, mais si je le lis de temps en temps. Voilà. Bienvenue. Blablabla. Ok. Alors, ça c'est rigolo. J'ai plus les mêmes gants que tout à l'heure. What? Attends, ça le fait en 360? Nom de Dieu. Ok. C'est joli. C'est beau. Ok. Faut que je retrouve le centre. Ok, donc on tourne comme ça. Ou alors comme ça en fait. Ah! C'est la même chose. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Se téléporter vers le lieu, appuyer sur une des touches. Pour afficher les lieux, vous pouvez vous téléporter, relâcher pour vous téléporter. Les touches là. Ok. Ah, ok. D'accord, c'est la même. Oh ! Nom de Dieu. Interaction. Saisissez la poignée de projecteur avec une des touches, puis tirez là vers le bas. Ok, on va le faire mieux que ça. Je me recule un peu, je pense. Non. Attendez. Ça qui va être un peu lourdingue, je pense. Hop. Ça veut pas? Voilà, attendez. Je regarde en l'air. Bon. Je me tourne un peu. Ah bah oui, voilà. Oula, pardon. Faut qu'on s'y fasse. Ça veut pas. Attendez, on va regarder avant. Est-ce qu'on peut aller ailleurs aussi? Non. Putain, heureusement que je fais pas ça quand il fait super chaud, hein, parce que sinon... Ok, le micro, il est là. Police de Londres, poste de Bloomsbury, division Est, enquête sur la disparition. Ok. Normalement, je peux recentrer le casque, mais... voilà. Ça veut pas pousser jusqu'en bas. Bizarre. Ah, ok. Bien.
Des dizaines de disparitions en quelques semaines seulement, mais celle-ci fait partie des plus étranges. Rapport de disparition, nom, docteur Rupert Montgomery, 52 ans, taille 1m77, membre de l'Institut britannique d'archéologie, porté disparu le 15 octobre 1908. Une récente dispute au sujet de critères professionnels aurait pu contribuer à l'incident. Ok. Est-ce qu'il faut refaire la même chose pour changer de diapo ? C'est très pratique avec une manette. En fait, c'est comme j'ai d'habitude, la caméra, en fait, elle est assez haut. Et vu que la caméra, vu que j'ai pas de PS Move, en fait, il faut que j'utilise ça. Et la caméra va capter la loupiote du pad et du casque, en fait, pour savoir où sont les appareils, en fait. Du coup, forcément, des fois, ça pose certains petits soucis. J'ai pas assez de place, forcément, pour faire ça, en fait. Faudrait que je sois debout, en fait. Ok. Comment on fait après ? On continue à faire ça. Non. Est-ce qu'il faut... Ah si, c'est ça. La réserve du British Institute of Archaeology, où le professeur a été vu pour la dernière fois. Comment quelqu'un peut-il disparaître d'un bâtiment aussi sécurisé sans que personne ne le voit s'en aller ? Ok. Yes, j'ai capté là. Docteur Montgomery est spécialisé dans les reliques égyptiennes inestimables. Il a laissé entendre à ses collègues qu'il était à l'aube d'une fabuleuse découverte. D'après eux, il semblait très préoccupé ces derniers temps. Okay. Voici l'élément que le professeur étudie lorsqu'il a disparu. Un sarcophage. Ok. Je vais étudier le sarcophage aussi, moi. Rien d'autre ne manquait, aucun indice de lutte ni d'effraction, tout ça n'a aucun sens. Je devrais aller voir mon bureau au cas où le sergent aurait laissé un rapport. Ok, tournons. Ok. Téléporter vers le lieu, ok. Il va falloir... Oh. Wow, c'est énorme. Un vieux monsieur est... ah ok, pardon. Mais c'est bizarre parce que en vrai, avec une feuille de papier, on fait pas genre « Ah oui, c'est trop bien !» Mais là, vu que c'est en réalité virtuelle, bah, c'est trop bien. Un vieux monsieur étrange demandait à vous voir. Il m'a donné un paquet en précisant que c'était lié aux disparitions. Je le jure, ce truc faisait un bruit vraiment étrange. L'agent en faction m'a néanmoins affirmé que je me faisais des idées. Je l'ai placé dans le coffre-fort mural, si vous voulez l'examiner. Et c'est signé le sergent. Même pas son nom, il y a quelque chose derrière. Ah, derrière. Ok. Ok, je la remets. ok. Ramasser la clé. Utiliser l'une des touches pour ouvrir le tiroir. Ramasser la clé. Ok. Si je veux, d'abord, tu me donnes pas d'ordre. Je peux aussi ouvrir le tiroir là ? Merde, putain, j'ai pas coupé le stream, non ? Je vais faire un truc aussi. Je vais cliquer en dehors de la fenêtre d'OBS, comme ça, je vais pas faire de bêtises. On a perdu Elkino, appelle les pompiers, lol. Ouais. Ok. Vous faites, s'il y a un souci, vous appelez le 15 et vous dites c'est Elkino à Fougère. Ils sauront tout de suite, je suis connu comme le loup blanc, évidemment. Ok. Utiliser une détection pour ouvrir le tiroir, ramasser la clé. Ok. Ok. Alors là, c'est un petit peu loin, en fait. Si je me mets là, comme ça. Non, si je me mets là, comme ça. Ok. Je vais aller là. Ok. Ça va être compliqué, là. Voilà. Non. Ah putain. Faut que je me recule. On va pas. Ça va pas le faire. Hein. Ok.
faut aller encore plus loin. Non. 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 Descends. Ok, d'accord. Ah, je suis sur le fond vert. C'est mort. Putain, sérieux. Attendez, il est où mon bureau? Ah ouais, je suis vraiment loin en fait. Attention, veuillez retourner dans l'espace de jeu. Mais je t'emmerde. Ah merde, ah, je suis dans le bureau. Ah, fais chier. Oh putain. Ah là 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 là. Ok. Et demain, il y a un swatch. Je suis hors du grenier, lol. On m'entend toujours quand je suis loin, hein, j'espère. Ok. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ok. Non, ça va pas être cool hein, si je me mets debout peut-être. Ok. Non. Là. La clé. Ouais, j'ai la clé. Relâchez la clé pour la jeter à votre endroit. Putain, le bureau est... Je suis tout petit. Merci. On m'entend toujours, ok. Ça n'a pas l'air très pratique. Non, mais c'est surtout là où je suis, en fait, qui n'est pas pratique, hein, du coup. Mais on a eu les mêmes soucis avec d'autres jeux VR. Ça devrait aller une fois que le... Enfin, j'espère, une fois que le... Putain, le bureau, il est juste là. Ah, ma main! Ok. Je devrais jeter un œil dans le coffre. Ok. Dans le coffre. Là-bas. Imagine. Hop. Ok. Vers l'inventaire. Voilà l'inventaire avec l'une des touches et utiliser la touche R2 ou la touche L2 pour ramasser la clé et relâcher là sur la serrure pour l'utiliser, ok. Oups, pardon. Cool. Ah, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Je dois réussir à l'ouvrir, il y a peut-être quelque chose qui me sera utile dans la salle des scellés. Okay. Fuck. Putain, j'avais oublié que c'était chiant de porter ce casque à la coin. Pardon. Ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? On peut aller là. Ok. Allons là. Wow. Attendez, je roule sur le câble. Prends la clé, vite sort. Merci les GG. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, merci de bien vouloir enregistrer les preuves avec le bon numéro d'affaires afin de facilement les retrouver. Le système de classement n'est pas très compliqué. Vous êtes des inspecteurs, débrouillez-vous. Signé, sergent. J'ai la certitude que nous avons confisqué de quoi forcer un coffre-fort. C'est forcément indiqué sur le tableau noir. Salle des scellés. Ok. Alors, on a quoi? Le nom. Alan Wright. Ok. Incendie criminel. Je me remets en face, regardez comme ça, voilà. Et le numéro de boîte. Ouais, mais là, c'est juste le truc à ouvrir, quoi. Ok. Ah,
nous avons confisqué de quoi forcer un coffre. Faut que je trouve de quoi forcer un coffre. Enfin, voilà, perçage de... ici, là. Là, là, perçage de coffre-fort. Là, William Clark. Ah ouais, mais c'est effacé, putain de truc de con. Ah, c'était dans l'ordre. W02, E03. Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que c'est pas... Ok. Alors, John Evans, voie de fait, E03. Déjà, faudrait savoir... Ah oui, c'est... ok, d'accord, on fait le truc là. On peut essayer... incendie criminel, voie de fait, tentative de meurtre et larcin. Alors, j'imagine qu'il faut donc qu'on trouve le truc qui est en face de perçage de coffre-fort, mais c'est effacé. Du coup, faudrait... il doit y avoir une... donc, j'imagine que ça va être 5. Ça va être une lettre et 0,5, ça semble logique. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça tombe bien dessus. Alors après, les lettres. A, W, E. Ah bah, Evans. D'accord. Wright, Evans, Clark, Parker, Holt. Ok, d'accord. Donc c'est la première lettre du nom de famille du gars. Mais sauf que c'est aussi effacé. Ah non, c'est pas effacé, c'est Clark. Donc ça va être C05. Oups, pardon le micro, excusez-moi. C05. C'est bien comme ça, je me fais pas spoil par le chat en plus, je peux réfléchir par moi-même. C05. Ok, d'accord, bon, c'est super. Il faut que je le mette derrière, comme ça. Ça va aller mieux. C'est bon là ? Ok. Micro. Ok, c'est pas grave. C'est. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est vide. Pourquoi c'est vide? Merde! Ah mais non, c'est 06! Putain, c'est 06, je suis teubé. Je sais plus quoi, je sais pas compter. Je suis sûr que sur le chat, vous êtes là. Oh, il est con, il a pas vu! Ah. Merde. Mais fuck! Ok. Chier. Ouais. Une perceuse de coffre-fort. Et ça, c'est quoi ça? Je peux pas le prendre le truc là? Je peux pas... ah. Reste ouvert. Ok. Sergent Collins, c'est marqué. Bien. Ok. Même pas, le chat est calme, ok. Cool. Ok. Ouais, en même temps, c'est logique, je réponds pas forcément vite, donc... Oh là là, je suis trop près là, non? Voilà, merci. Ok. Alors, on va faire ça. Non mais, fais-le. Ok, si tu veux. Merde. Ok. Ok. C'est super pratique. Heureusement que j'ai pas de pied, parce que ça aurait fait mal, je pense. Ah, ok. Je suis en face là? Non, je suis pas en face. Okay. Alors. Ça fait rien, on voit rien. Okay. D'accord, donc j'imagine qu'il faut peut-être faire en sorte que ça se touche.
Comme ça. Ok. Comme ça, peut-être mieux. Genre. Bah. Hein? Ça fait pas tourner le bordel, pourquoi? Pourquoi ça fait pas tourner le bordel? C'est ça? Ça devrait, non, du coup? C'est ça l'idée, le but? Ah, ok, alors je mets celle-là là, peut-être? Comme ça? En fait, je suis con. C'est ça? Ok. Oh. Cthulhu? Pourquoi la diapo elle a changé toute seule? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça a changé toute seule là-bas? C'était pas sur un livre tout à l'heure, hein? Je me plante pas. Hein. Bon, pas grave. C'est quoi ça? Oh oh. Oh oh. Je fasse ça déjà. Il y a comme un petit problème là. Ok. Putain. Inspecteur, veuillez pardonner mon approche peu orthodoxe, mais je dispose d'informations cruciales en lien avec l'affaire sur laquelle vous travaillez. Certains, si vous avez des questions, alors prenez cet oculaire et laissez-moi vous montrer ce que je ne peux pas expliquer. Ce n'est que le début. Ok. Ça là. Ah! Et faites glisser l'onglet en surbrillance pour utiliser l'oculaire. Ok, ça marche. Attendez. Je me recale. J'imagine que je vais voir un truc sur le... Là-dessus. Ok, alors... Comme ça. Merde. Non, c'est pas l'oculaire, ça. Ce n'est pas du tout flippant, pas du tout du tout. Ce n'est pas du tout flippant. Ok. Donc il est venu par là. Il a déposé le truc là. Et il est parti par là. Ok. Ouais, mais il y avait plein de trucs là. Putain, je pourrais pas screenshot, fais chier. Ok, c'est quoi ça? Il faut mettre. Ah! Merde. Non, mais. Cercle en dessous. Okay. Là, celui-là, il faudrait qu'il bouge. Ah. Yes. Ok. Uh-huh.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux prendre ce truc-là? Non, je peux pas. Ok, peut-être que je remette l'oculaire. Ouais, je vois pas. Est-ce que c'est un rapport avec avec ça? Bon, alors, attendez. Il faut regarder plus près quand même. Putain, pardon, désolé. Je vois rien de... À part l'étoile, le losange et le triangle. Étoile, losange, triangle. Est-ce qu'il y a un rapport avec... ça? Ok. Oh, est-ce qu'il faudrait pas mettre le... ça, là? Là? Yes! je vois rien. 1908. Chargement. Oh, apparemment, il faut en trouver 4, c'est ça? The fuck. C'est pratique, ça, comme... c'est mieux que l'email. Je crois que je suis dans du rien. Ok. Salut Daft Punk, coucou Aaron. Essaye la touche chère du pad, tu peux prendre une photo, tu peux même partager et l'envoyer sur la tablette. De quoi? Ce sont pas les traces du personnage? Non, je pense que c'est les traces de l'artisan, le mec. Aïe, mon pied. Alors, le truc est tombé tout à l'heure, j'imagine. Fonctionne le bouton share en VR. Faire des screenshots avec la console. Ah oui, à la place du screen. De toute façon, non mais je suis con, en même temps, il est sur l'écran là aussi. Donc je pourrais faire le screenshot de l'écran, de mon écran là en fait. Mais merci. Comment ça va, Aaron? Toulouse va bien. Enfin, c'est pas moi Toulouse. À Toulouse, c'est Papy Swaggy maintenant. Ok. On continue. Franchement, je sais pas pour vous ce que ça donne à regarder, mais personnellement, je surkiffe. étant fan de The Room, se trouver dans l'univers et puis bouger les choses, regarder autour et tout, je trouve ça génial. Bref, j'y retourne. Comment ça, c'est pas drôle? Ok. Où suis-je? Que dit cette note? C'est une bonne question. Dans quelle étagère? Ok. Bienvenue, inspecteur, dans le royaume caché du zéro. Les disparitions sur lesquelles vous enquêtez font partie de quelque chose de bien plus sinistre que vous ne l'imaginez. Je peux vous montrer ce qui est arrivé à ces gens et peut-être pourrons-nous éviter d'autres disparitions si nous unissons nos efforts. Ce document... n'est pas une lettre ordinaire, le zéro connecte, le connecte à moi, son auteur, utilisez l'oculaire pour révéler cette connexion, trouvez les autres, découvrez ce qui leur est arrivé, signez l'artisan. Ok, voilà l'inventaire, faites glisser l'onglet à la surveillance. Ok. Tac. Oh, pardon. What? Oh!
Reviens, toi. Le British Institute of Archaeology, c'est la... Ah, j'ai pas eu le temps de lire le jeu, là. Ça, c'est pas bien. J'ai pas eu le temps. Ah, puis j'ai maintenant... maintenant qu'il y a... Il y a trop de... Il n'y a pas assez de délai sur le retour et j'ai pas eu le temps de voir. C'est drôle, je suis rien du jeu des énigmes, je regarde juste ton air guitare, air genre, air gaming. Lol. Attendez, j'ai soif. Je suis content de ne pas avoir fait ça en juillet en tout cas. On est en avril et je crève de chaud. Ok. Allez. Ok. Ok. D'accord. C'est l'aile Rayfield. Ok. Bon. Ah putain, j'avais oublié qu'on... Alors, en fait, sur le... J'ai un petit nez. Et il y a des espèces... Ah, c'est bon l'éclat. Et il y a des espèces de petits volets au niveau du nez sur le casque. Et ça me chatouille le nez. Vous savez que je suis très sensible du nez. Hein. Surtout quand je stream. Et avec ce truc-là, ça m'énerve. Bon. Ok. On s'en fout. Peu importe le nez. Qu'est-ce que c'est que c'est en face là? C'est quoi ce truc-là? Ok, je peux aller. Alors déjà, on va tourner. Est-ce que... Est-ce qu'il y a... Oh putain. Attendez. Fuck, il y a des câbles partout. Dégage. Bon là, j'imagine qu'il n'y a rien. Ok. Alors là. Utilisez l'oculaire. L'oculaire peut également être activé en appuyant sur la touche. Bah c'est... Oui, merci. Trouvez-le au début. Jugez-le. Jugez-le. Ouais. Trouvez-le. Ok. Voilà. Attendez. Il y avait ça, ce truc-là, là ? C'est mieux quand je fais ça, en fait. Il faut que je fasse ça, plus. Il y a un gros problème de câble. Ça doit être une expérience hors du commun, surtout s'il y a des éléphants. Oula. M'en parle pas. Voilà. Et j'ai pris une rallonge pour le casque, parce que sinon, c'est chiant. Vu que vous avez vu, j'ai dû me reculer comme pas possible. Mais c'est bien lourdingue. Ok. Allez. Alors. C'est moi la musique est pas assez forte. En même temps. Bien. Alors, on va reculer un coup, faire ça. Là. Donc, alors, je peux virer l'oculaire si je veux comme ça. D'accord. Salut. Cargo 4. Ok, ça a ouvert la porte ou ça a rien fait? J'ai rien vu en fait. Ah ça... Ah d'accord. Ok, il faut ouvrir la porte avant. Il faut ouvrir la porte avant et ça fait venir le sarcophage, c'est ça? Ok. Alors on va aller voir là-bas. Wow.
chier. Non. Attendez. Putain. Ah, je suis désolé. C'est super lourd. Putain, je vais me tordre la main. Hein? Ok, ça c'est quoi? Ok. Ça c'est fait, va t'entendre. Ensuite ça, il faut que je le... Putain, c'est lourd. Non, c'est pas pratique là. Pourquoi ça veut pas... Pourquoi ça veut pas aller plus haut? Je comprends pas. Ça veut pas... Non, ça veut pas. Je sais pas si c'est normal. Attends, je suis où là en fait? Ah ouais, quand même. Il y a un bug, mais je sais pas si c'est un bug ou... Wow, aïe, ma tête. Tiens, c'est vachement près, là. Ah, voilà. Merci. C'est bon, là. Non, c'est parce que... C'est débile, mais c'est comme ça. Ça devrait le faire, maintenant. Bah non, puisque faut le sortir complètement. Oh putain. Non, normalement c'est bon là. Ah ouais, mais non, puisque si là, c'est censé se lever. C'est censé faire quoi? Attendez, faut que je recule. J'essaie de comprendre en fait. C'est censé... Est-ce que c'est censé s'ouvrir comme ça? Monter? Parce que le sarcophage, il va sortir, il va avancer. Ok, on va aller voir ailleurs. Ah, il va là, tiens. C'est quoi ça? Il manque un truc, hein, visiblement. Ah, ici, jugez-le, ouais, c'est la balance. Il faut mettre un poids, ça se voit là. Ok.
On va aller voir là. Là, il manquait un truc. Il manquait un truc aussi là. Je peux pas. Voilà. Là, il faut tirer les. Je peux pas. Je peux pas retirer les. Théo, je t'en prie. S'il te plaît, je. Ok, ok, ok. On a quoi dans l'inventaire? Non, on peut aller là-bas aussi. Ok, on va visiter un peu tout parce que. Putain de bordel de merde. C'est compliqué, hein. Pas pratique. Putain, chier. Désolé. Ok, alors. Je vais prendre la feuille là, monsieur le jeu, c'est bien. Non, il veut pas. Ok. Je recule encore. En fait, si je me recule comme ça, c'est pour faire le point en gros. Si. Donc, si je mets la manette en haut et en arrière, je vais me retrouver à un endroit où je pourrais m'avancer et être plus proche de l'objet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas facile. Ok, et là, je sais pas où je suis. Tu vas prendre la feuille? Ok, il veut pas. Je dois prendre la feuille. Il faut que je prenasse la feuillasse. Donne-moi la feuille, putain. Merci. Ah. Ce soir, j'ai à nouveau. Attends, je suis où? Là. Ok. C'est bon, j'arrive. Ce soir, j'ai à nouveau demandé au porteur de sortir le sarcophage de l'entrepôt en espérant découvrir quelque chose. L'imagerie semble être liée à une pratique qui consistait à amener des dévots avec eux vers une autre vie. Ils croyaient que ce rituel pouvait enfermer et contenir leurs âmes, mais les hiéroglyphes ne suivent aucun lexique. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien derrière. Mais quand on fait ça, on a ça.
Ouais, ça on savait qu'il fallait mettre le... Oh! 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 Ok. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose là? Non? Il doit falloir mettre un truc là-dedans, hein, je pense. Ah, par contre, là, on devrait pouvoir. Non, c'est pas facile de gérer l'espace en fait. Pas facile du tout. Là. Tu prends ça? Tu veux pas prendre? Tu veux. Non. Ah, on peut tourner par contre. Oh! Je le mets en face là. Non mais. Là, comme ça là. C'est bon là? Tu veux pas non? On dirait qu'il y a un truc qui va là. donne-la-moi comme les bébés. Bon. Ah, visiblement, il y a un truc à mettre en travers là, et ça va s'ouvrir après, je pense. Ah, ben oui, regardez. C'est évident en plus. Ça se met en face. Donc il y a un truc à foutre là-dedans. Ok. Là, il n'y a rien. Là, on peut rien faire non plus. Non, reviens-toi. Ça. C'est juste la déco, ok. Alors, est-ce que je peux prendre la tablette là? Non. Et ça? Ah, ça va nous intéresser par contre. Alors, en 1, faire. Ouais, j'arrive pas à bien voir. Non, je t'ai mis tout à l'heure. Ok. Eh merde. Deux secondes. J'ai roulé sur le câble. Ça devait arriver. Fallait que ça arrive. Voilà. Ok. Oh, c'est quoi ça? Donc là, il y a une espèce de clé ou un coton-tige pour masochiste, je sais pas. Une formule et d'autres outils à la con, mais qui, à mon avis, la clé là, je mets le doigt sur le bureau, ça devrait nous aider à un moment donné. Alors, donc, excuse-moi. Il faut. Salut.
Donc ça, c'est l'espèce de... Donc c'est le truc qui fait venir le sarcophage, je pense. C'est ça. Ça nous explique comment faire venir le sarcophage. Donc il faut le mettre à droite. Il faut un poids. Je comprends rien. Ah, la porte, elle se barre vers la droite. Ok, la porte coulisse à droite. D'accord. La porte coulisse à droite. Je me demande si... C'est ça, il faut baisser un truc pour faire... Ok, je vois. Putain, elle est où la... Elle est où la manette? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Comment je m'appelle? Jean-Jacques, c'est ça. Alors... c'est ça, là. C'est là, là. Ce truc-là. Il est relié à la porte et la porte coulisse à droite. Donc maintenant qu'on a tout débloqué, elle devrait pouvoir coulisser puisqu'elle est plus retenue par les barres de métal. Ok, on va là. Mon Dieu, salut. Je suis vachement prêt. Je n'avais pas prévu d'être aussi prêt. Ok. Ça, c'est bien. Non plus. Ok. Ah! La vache! Comment je fais pour... Ça va être compliqué là, cette histoire. Ah, le poids, il est là. C'est génial. Putain, je sens limite là. C'est bloqué là. Ok. Ça ne nous avance à rien, mais c'est génial. On peut pas le bloquer. Non, mais j'étais persuadé que. Ah! Trouvez-le au début. Peut-être que c'est là qu'il faut commencer, là-bas, là. Bon. Je vais le lâcher, hein. Ok. Ok, il veut pas. Là. On va là. Pourquoi tu veux pas que j'aille là? J'ai compris. Merci. Ah, donc alors. Si je le mets là, ça va ouvrir la porte, c'est ça, putain! C'est ça! C'est on choisit soit porte, c'est ça! Oui! C'est bon! Ah! Ah, putain! Ok! Non, hop. J'apprenne à tourner comme ça. J'ai l'impression de faire du sport, lui. Ok. Oh, Dieu. Oh. Oh.
petite pause là. Progression. Hein. Grosse progression. Vous allez bien, les gens? Moi, j'imagine que oui. Vu que c'est pas facile avec le délai, vu que je retire pas le casque tout le temps. Ok, alors, hop. Donc maintenant, on va... Non. Ouais, on va déjà aller là, ouais. Voilà, on va aller lire le bordel. Ouais, y'a un truc là. Ah, ok, ça va être pour être accroché le. Ça va être pour accrocher le treuil en fait. Ok, là on est là. Putain, c'est trop bas. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Saloperie. Je te veux. Tu veux. Tout va bien, ok, cool. Moi non. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à avoir la feuille. Putain de casque. On vient là. Merci. Yes. Ah. Le porteur est revenu me demander comment avancer mes recherches. Étrange individu. Il semble presque amusé que je n'ai pas réussi à décrypter le code. Il m'a donné un paquet en précisant que quelqu'un l'avait laissé à mon attention dans la salle du courrier. À l'intérieur se trouvait une vieille lentille avec un message indiquant qu'elle m'aiderait dans mon travail. J'ignore comment, mais au point où j'en suis, je veux bien essayer n'importe quoi. Ok. Qui est apparu. Nickel. Ok. Bien. Oh, gueule pas ton gant. J'engueule la putain de feuille. Saloperie. Ok. C'est toi l'espace de jeu, regarde. Hop là, pouf. Bien. Il est cassé le truc. Il y avait... Ah, mon gant est là, en fait. Okay. Voilà, pardon. Ok, donc je recule un peu. Et comme ça, voilà, nickel. Et on va...
Alors. Y a pas un truc qui est apparu là? Ah, c'est l'épée, ouais, mais on peut toujours rien faire, ok. Ok. Donc faut que j'aille. Non. Faut que j'aille là. Là, je vais me mettre en position quoi? Et là, hop. Ok. Je sais pas comment le bloquer après en fait. Que c'est bloqué là. Mais le problème c'est comment est-ce qu'on fait pour. Il n'y a pas un taquet pour le coincer le. Je sais pas où je suis. Il n'y a pas un taquet. Ah, il doit falloir faire sortir les barres du sarcophage derrière des espèces de poignées sur les côtés avant de faire descendre le truc, je pense. Sinon, ça tient pas, quoi. Hein? Ça tient pas. Ok. Bon, on va voir là, puisqu'on a fait apparaître un truc. Ça, une boîte. The fuck? Merci. Cette lentille semble adaptée à mon oculaire. Une lentille d'oculaire, ok? Utiliser l'oculaire, mais l'inventaire, je vais te glisser en longueur. Utiliser l'oculaire. Ouais, mais on l'a déjà, on peut faire ça. Ah, utiliser la nouvelle lentille pour révéler les secrets cachés derrière les surfaces scintillantes. Il attend au temple. Ok. Oh là là. Ok. C'est quoi en fait? C'est. Mais là-bas, il y a un truc aussi. Hein? Qu'est-ce que tu me fais? Ah. Je comprends pas pourquoi il fait. Il met son doigt dedans. What? Ah, ok. On peut pas le bouger. C'est censé faire un coulisser, non? Faut faire coulisser vers là. Ça fait claque en plus. Donc je comprends pas trop. Est-ce qu'il faut faire ça? Ok, non, ce serait débile. Non, ce serait débile, je comprends pas. Ok, voilà. Surface brillante. Il attend au temple. Ok, est-ce qu'on peut toucher ce truc-là, hein?
Coucou Tanéor, bienvenue. Comment vas-tu? Ok. Alors, je me demande si on peut faire un truc avec ce truc-là, surtout en fait. Bien. Je vais reculer. Je sais pas trop. Hein. Ouais. Bon. Mode debout. On va voir. Ok. Faire attention. Non. J'arrive pas à l'atteindre le truc. Ah, chier. Okay. Apparemment, ça sert à rien. Ok, super. Bon, ouais, j'aurais essayé. Hein. Ok, je suis où maintenant? Je suis loin. Ça va, on va te dire, ok. Eh ben, j'espère que tu vas aller mieux très vite. Très très vite. Mieux que juste aller. Ah! Il m'a fait peur ce truc-là. Tant qu'à faire. Maintenant, on peut essayer de tritouiller tous les trucs, là. Je suis tout prêt. Ah, non, ça, on sait. Ok. Il t'attend au temple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, le temple, peut-être? C'est ça, le temple? Alors, peut-être que là... Ah ah! Oh, j'ai la dague qui a été ajoutée à mon inventaire en même temps. Merci. Hmm. Et là, je crois qu'on peut rien faire d'autre. Là. Mm-hmm. On dirait pas. On dirait que non. Bon, alors la dague, elle doit bien servir à un truc. À mon avis... Ah, on va voir la gueule du truc, mais... à mon avis... Là-bas. Ok. Là-bas. Là-dedans, là, non? À tous les coups. Merde. Merde. Tu veux pas la mettre là? Putain. Sérieux? Yes! Ah! Un cylindre gravé. Oh! Ah ah! Non, je... Tu vas là, tu vas là-dedans, ok. Putain, je suis où? Là. Fuck.
pas jouer sur les câbles. Et... À moins que... Ah si, ça va là. Putain. Non. Je comprends ce que tu essaies de me dire. Je te comprends. Aïe. Ok. Ah. Non? Vraiment pas? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous... Ouais non, en fait ça correspond pas. Hein. Ah. Oh. 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 Je vois pas où ça pourrait aller du coup en fait. Tu es bon. Ah. Là-bas. Peut-être. Non. Non. Non, je pense pas. Là? Putain. Non. Peut-être qu'il faut... Merde. Attends pour moi. Pardon. Peut-être qu'il faut... On peut pas... Pourtant, ça pourrait potentiellement aller là. Hein. Bon. Sur le... Ah ! Là ! Tu te fous de ma gueule ! Oh, c'est quoi ça ? Il y a un poids là, une espèce de... Ok. Ah oh, la vache. Il a tellement galère avec la manette ce jeu. Ouais, ça serait mieux avec le PS Move, mais je l'ai pas. Donc. Ouais, bon courage à toi, Tanéor. Tanéor, c'est le faiseur d'or. Twista, donc forcément. Bon. Ok. Je crois que je vais finir par rester debout et puis voilà. Hein. C'est bizarre parce qu'on aurait pu dire qu'on aurait pu penser que ça allait là, ça. Alors. Ah, là, un point en laiton. Ok, là, quelle tronche, ce truc-là ? Ouais. Du coup, le cylindre, on réessaye.
Mais apparemment, ça va pas là. Quoique, hein. Non. Il n'y a rien à la ressource, moi. Je crois que je vais rester comme ça. Hein. Franchement, c'est bien mieux. Hein. Je vais rester debout de quoi? Debout de moi, je reste debout comme ça. Là. Alors, le poids, c'est un poids, il est... Ah ben voilà. Ça va être par là. Là, pour le coup, on va le mettre là, le poids. À mon avis. Yes! Un genre d'outil égyptien. Bizarre comme genre d'outil égyptien. Bon, du coup, si je fais ça, il faut peut-être que je me mette en. Peut-être que je mette le micro un peu plus haut. Comme ça. Tac. Ça va pas gâcher le jeu. Ok. Nickel. Ça va comme ça, vous m'entendez toujours. Hein. T'as cru que c'était une baguette magique. Flipendo! Où est-ce qu'elle est ma baguette magique? Voilà. Flipendo! Ah, il me faut un Harry Potter en VR. Hein. Ok. Bon. GG OSC. Aïe. Ouais. Ok. Leur centre. Ok. Il me faudrait des marqueurs au sol. Ça va aller là, je suis sûr. Comme ça, l'outil là, non? Non? Fuck! Ah, c'est bien mieux comme ça en fait. Un outil égyptien? C'est quoi cette espèce de... C'est quoi? C'est une espèce de petite pince? Non. Non. Ok. Wow. ok. Ok. Il faudrait une serrure en fait, on dirait une. Ok, une serrure. Je suis de profil. Complètement paumé des fois en fait. Hein. Vous voyez une serrure? Vous avez vu une serrure, hein? Si
Parce que là, il y a forcément quelque chose qui s'ouvre aussi, mais... C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas ça. Ah, peut-être qu'il y a autre chose. Oh! Nom de Dieu! Merde. Il y a un code. Code là. Triangle. Ouais, mais c'est compliqué là. Ok. Triangle. On a quoi comme possibilité? Faut peut-être mettre que des triangles. Donc si je fais ça comme ça. Les triangles. Non, c'est marqué en haut. Putain, c'est que des machins au contraire. Wouh! Ah, et c'est peut-être là que le truc il sert à... Alors, un piaf et un gars. Un piaf et un gars. Vous trouvez le piaf en haut et le gars en bas, sauf que... Ah, il manque un truc, est-ce que ça c'est ça? On va voir s'il y a autre chose. Bah là, visiblement. Non. Ah. Oh. Ah. Ok, un animal. C'est ça. Ça, ça va là. Et après, on peut peut-être le YOLO, non? À moins que. C'est quoi? C'est un lapin, un chien, un chat. Et un sphinx? Lapin, chien, chat, sphinx. Bah sinon ça c'est violent, hein. Voilà. Une moitié de scarabée doré. C'est pour toi, Tanéor. Hein. Ça rentre sur un truc. Ah, ça va là-bas à tous les coups. Ça va là-dessus, non? Non, c'est trop gros. Ok. Bien. Scarabée doré. Scarabée doré. Et c'est un embout carré. Peut-être là, là, sur le côté. Là. Non.
Là, ça va là. Putain, merde. Regarde. Là, tu prends le. Je suis où là en fait? Merci, EC. Non, pas ça. Ouais. Là! Super, on n'est pas plus avancé. Parce que il nous faut la deuxième moitié. Fais chier. Oh, salut. Alors là, il y a un truc. Est-ce qu'on prend quelque chose là? Ok. On a toujours ce truc là, on sait pas à quoi ça va servir. Est-ce que ça pourrait servir à faire quelque chose là? Non, là, là. Y'a quoi au plafond? Attends, je regarde. Je me recentre de temps en temps, parce que sinon. Y'a une verrière des lumières. Et ça, c'est un. Là-haut, là, c'est un. C'est un treuil, en fait, pour choper le sarcophage. Mais je pense qu'il faut sortir les poignées du sarcophage pour pouvoir l'attacher. Sinon, il tient pas le truc. Putain, non. Tu vois ces poignets là? Ça, il va falloir les tirer. Est-ce qu'on peut le faire? Non, pas ça. Il va falloir les tirer d'une façon, et à mon avis, ça va être avec ça. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais est-ce qu'on peut le refaire? Oh putain. Bah, il me remet la même chose en fait. Donc ça sert à rien en fait. Alors, ah, peut-être que. Merde, putain, à chaque fois j'appuie sur Start pour l'inventaire. Alors que c'est ça. Peut-être que ça va là en fait. J'ai essayé là, je crois. Non. Ça m'intrigue aussi, mais grave. Ah, le truc bizarre ici, c'est ça. Ah bah voilà, ça bouge maintenant. C'est que ce bordel. Ça bougeait pas tout à l'heure. Ah bah voilà. Labyrinthe. Ouais, aïe. Merci. Un outil à la pointe particulière, ouais. C'est une anque. Okay. Ah, c'est carrément mieux debout en fait. Putain.
Ok, donc faut déplacer ça. Un disque de pierre gravé. Oh yes! Ouais. En plus, j'adore l'Égypte ancienne, donc c'est trop bon. Ok, faut mettre les disques de même couleur. C'est un Rubik's Cube avec... Enfin, c'est pas du tout un Rubik's Cube en fait. Tu veux pas tourner? La merde. Tourne. Je comprends pas. À l'aide. Mettre ça avant. Bah non, c'est débile. Il y a un truc à... C'est un tournevis bleu jaune. Eh oui, t'aimes beaucoup le jeu? Ouais, moi aussi, je kiffe. J'adore. Merci, Avia. Ok. Continuez. Ok, alors on va là. Bien. Du coup, on va là. On va là, j'ai dit. Là, là. Et on va faire ça. Non. Ouais, je sais. Descends. Oui. Non. Putain. Trop bien. Une orbe dorée décorée. Oh là là. La boule reste fixe dedans, c'est super chelou. Oh. Il faut tout allumer. Allumé. On la remet là. Mais là.
Ok. Bon, bref, on verra après ça. Ok. On a vu des trucs. On a vu cette forme là tout à l'heure. Ok, il va falloir bouger ces trucs là. Ouvrir les trois verrous là pour pouvoir bouger la barbe. Et on dirait qu'il y a un code dessus. Ok. La boule, où est-ce qu'elle irait la boule? Je pense pas qu'elle irait là. Non. Non plus. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit en haut. Ça pourrait aller. Ok. Là peut-être. Ah oui, ça, il faut pouvoir le pousser aussi. Ce truc là. Non. Ça va pas là-dessus, ça? Oh! On voit les deux symboles là, il y a le signe et. Ouais, je. Ouf! J'ai failli casser la gueule. Ok. Je pense pas qu'il y ait quelque chose que ce soit là. Est-ce que je peux mettre ça? Ok, c'est ça, pas une position particulière. Alors, où est-ce qu'on l'a vu ce symbole là? Je crois que c'était là-bas. C'est ça là, c'est ici. Même symbole que là-bas. Sauf que là, on peut rien faire. Ça c'est fait. Et ça c'est l'autre symbole, d'accord. Ça on peut pas le prendre, toujours pas. Ça on va plus reprendre. Ok, donc vous voyez là le. Ça fait insecte sur signe. Et là il faudrait trouver l'autre broche. Et sur le symbole sur lequel elle va. Sauf que je vois pas. Je ne vois pas où. Ok.
Et là, soit il faut un truc en... Il faut aller là-dedans. Soit un truc... mais non. Bon choix. Tu veux pas aller là-dedans? T'es sûr? Je te verrais bien aller quelque part là, moi. Non. Ouais, c'est ça, il faut l'aligner en fait. Mais pour ça, il doit y avoir une poignée. Une autre poignée comme ça, un truc comme ça, qui va là. On va tourner. Ça sert à rien de faire bouger ça encore. Là-bas. Toujours pas ça. Ah. Ah yes. Cool. Oh. Aha. Labyrinthe. Comment ça marche aussi? Tac, 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 tac. C'est bon, non? Ah bon? Ça arrive pas dessus. Ok, tac. Non, non, t'es bien là. Voilà. Non. Ouais. Je mets pas la main là-dedans. Non, 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 non. Oh, what the fuck. Ah. What? Attendez. Ok, je vois le truc, putain. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'il faut reproduire en fait? Les symboles. Ah ok. Pour faire la porte. Ok, d'accord, compris. Okay. Ouais. Un symbole égyptien d'or. Un œil de rat même. Et... Ok. Il va falloir mettre un truc là. Ok. Donc ça, ça va aller là, tout d'un coup. Bah on va... Alors un œil, est-ce qu'on lit au lot ou pas? Est-ce qu'on lit au lot ou est-ce qu'il est quelque part? Faut trouver un œil avec un personnage. Par là. Ah, c'est là. On voit l'œil et un personnage assis avec la main en l'air.
sûr. Yeah, bah voilà la poignée. Ouais. Allez, speedrun. Je kiffe. L'amulette décorée. Ok. Je sais pas, là. Non. On avait autre chose comme ça. Là. Non. Là. Oh, il y a des trucs là, j'avais pas vu. Dites donc. Une tube de pierre. Ok, pause. GG petit scarabée, merci. Ça va toujours sur le chat? J'ai soif. Je sais plus d'où il est, quelle heure. Je vais me chercher de la flotte. Je reviens. Voter OSC pour les présidentielles. Ah ouais, je suis d'accord. Carrément. Carrément. Alors, hop. On est reparti. Alors. Ah oui, on avait la lettre. Nuit après nuit. Je me rapproche un peu parce que sinon vous allez pas te perdre. Nuit après nuit, quand tous ces crétins ignorants sont rentrés chez eux, je reviens car la lentille m'a ouvert les yeux. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi aveugle qu'eux autrefois. C'est un travail compliqué et ma fatigue est devenue source d'inattention. Je commence à entendre des choses, des murmures, des voix, et elles sont toujours plus fortes à proximité du cercueil. Rien derrière, mais quand on fait ça, on peut faire ça. Il a fait quoi? J'ai pas vu. Je refais, j'ai pas vu. Il a juste fait un truc là en fait. Ok. Il a juste fait un truc là. Bizarre ça. On a quoi? On a ces deux trucs là. Bah on peut les mettre. C'était où? Là? Là.
passe, c'est bon. Ok. Ah, conteneur à jetons métallique, d'accord, ok. D'accord, je m'attendais pas à les récupérer en fait. Eh ben, c'est logique, ça va aller là après. Et là, ça sent le puzzle. Hein. C'est celui-là. Ah, il va falloir toutes les allumer, ok. Ah, les enflures. Ah, attendez. Faut passer une fois dessus. Il faut qu'il soit éteint. Ah putain non, et puis mais... Non, faut qu'il soit allumé alors. Parce que... Ou alors... Un vase canop à tête de babouin. Il y a un truc qui coule. Eh mais c'est un, c'est quoi? C'est un organe. Mais c'est dégueulasse. Ok. Tête de faucon. Tête de chacal. Merde, il y avait un truc qui crie, j'ai pas vu. Ça va là-bas. Dans quelle heure, je sais pas. Mais c'est pas grave. Bon, pas dans cet ordre-là, en fait. Non plus. Non plus. Ok. Je pensais que ça allait nous indiquer. Non. Non. Babouin, faucon, chacal. Et l'autre c'est le pharaon en fait. Est-ce qu'il y aura un ordre? C'est marrant. Ah oui, 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 yes, 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 ok. On le voit. Donc le faucon. Bah c'est là. Non, c'est en bas. Le babouin c'est en haut. Et là, en bas. Yes. Ah, ouais, tout est ouvert du coup. Ou bleu.
Vous mordrez évidemment. Salut la momie, ça va bien? Ok. Oh. Bon. Ah. Un cœur humain. Ok. C'était là-bas, non? Non. Alors, c'était là-bas. Ouais. Oh. La balance. Ah. Faut couper. Pas facile. Non, 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 non. Ok. Ça a toujours été là. Il a toujours été là. Depuis le début, il attend au début. Au temple, ils attendent tous au début. Je les vois. Ils ne sont pas aveugles comme je le suis. Vu qu'en haut il y avait un symbole, le chien est là, c'était pour l'autre puzzle je pense. Un curieux artefact, ok. Eh ben, fin du chapitre. Il ne nous en manque plus que... Mais où? Là? Là? Ah, pardon. Ah. Heureux de vous revoir, inspecteur. Peut-être que maintenant vous comprendrez mieux, vous comprenez mieux le danger auquel nous faisons face. Avancer. Non, vous m'entendez, je pense. Peut-être que maintenant vous comprenez mieux le danger auquel nous faisons face. L'artefact que vous avez ramassé contient l'essence même du professeur, ou son âme, si vous préférez. Son sacrifice m'aidera à poursuivre mon travail et placer ses formes occultes en sécurité sous mon contrôle. Passons à un autre de ces pauvres. Disparu, un serviteur de Dieu, cette fois-ci, était en quête d'une relique oubliée depuis des temps immémoriaux. Vous devez découvrir le résultat de ses recherches. Signé l'artisan, encore une fois. Aïe. Là. Ah. J'aime pas quand il fait tout noir. Une église. Peut-être que ce révérend aura des réponses à me fournir. Hmm.
Temple of the Sacred Guard. Je sais pas encore combien de temps je pourrais supporter ces ignorants et leurs problèmes insignifiants. Après avoir suivi la trace de cette légende jusqu'à cette paroisse isolée et tous ces mois de recherche, j'arrive toujours pas à retrouver la relique cachée. À moins de défoncer les murs à coups de marteau, je vois vraiment pas où je pourrais chercher ensuite. Ok. Moi j'ai une idée. Fermé. Ok. Ok. Si tu deviens le tour invisible, viens du multi-bleu. Mais que dalle! Tout ici. C'est vrai que c'était pas très dur, mais c'était le premier. C'était juste le premier. Juste le premier, premier chapitre. Ça va devenir. Ça va se compliquer. Et j'espère. Il est quelle heure? Ok. On va continuer un peu, je pense pas qu'on terminera celui-là. Ok. Alors, on a ça. Ouvre-toi mieux, s'il te plaît. Merci. Une clé mécanique. Ok. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de décrire? Non. Lettre et après il y aura un peu ça là tous les coups. Ah ah! On peut pas. Bon, salut. Non, on peut pas récupérer les lettres là. Je pense pas. On est un peu près du truc là, le jeu. Ouais. Encore plus près en fait. C'est pas grave. Descends. Merci. Un vieil homme que j'avais jamais vu
on approcha après les vêpres. Il connaissait la légende de cette chapelle et de la relique cachée quelque part dans ces murs de pierre. Il me donna une petite boîte, m'assurant que ce qu'elle contenait m'aiderait et me permettrait d'atteindre la vérité. Cercle. Ah. Ok. Ça marche. Une boîte. Y a rien d'autre à faire ici. Hein. J'imagine si là-bas, peut-être là-bas. Et là-bas. Putain, partout en fait. Ce bordel. Et il nous faut un code. Ah ben, il était pas... pas là, le code. N plus Ziwiwi. N plus et Ziwiwi. Voilà. Ça donne... c'est quoi, ça? Alors, c'est un truc à mettre. J'ai rien. Ok. Ah. Les derniers templiers se tournèrent pour faire face au danger, protégeant la cargaison sacrée au sein de leur cercle. Ah, je me tourne. Kilomètres durant, les Templiers transportaient leur cargaison. Peu avant minuit, l'attaque débuta. Ah, c'est trop cool. Alors, on va aller là avant. Ah. Tuile de pierre, ok. Ah. Ça fait quoi, ça? Ça fait rien du tout pour l'instant. Non. Ah, c'est pour choisir le... D'accord. On choisit le truc qui est actif en fait. Mais je peux pas le tourner vers celui-là là-bas. Ok. Ok. Manque de la clé. Putain, c'est... Oh, des symboles par terre. Il faudra se rappeler de ça, ok. Bon, là. Une bibliothèque. Il y a quelque chose là, non? Fragments de miroir incrustés dans une pierre, ok. Il va y avoir de la réflexion à faire dans tous les sens du terme. Ok. Je sais pas si les livres sont utilisables, je pense pas. Thank you.
peux pas aller. Marrant. Ok. Ok. Là-bas, on peut mettre ça. Cercles sont pas... Ok, il va falloir bouger les cercles avant en fait. Comme ça. Merde. Putain. Ça. Comme, ouais, si on veut. Ça. Aïe. L'autre est bon. C'est bon. Ok. Et maintenant? Ok. The fuck? Ok. Bah ça a l'air d'être... Enfin j'imagine que c'est tout ce qu'on peut faire là. Pas le récupérer. Ok. Pause. J'ai le même plafond, pas facile de changer les ampoules. Ah lol, ah bien. T'y vas? Eh ben écoute, bonne nuit à toi. Des bisous. Merci d'être passé, puis à jeudi peut-être sur Elden Ring. Deux secondes. Ça donne soif ce truc. Soif. Ok. Deux secondes. Wow. J'ai l'impression de me cogner sur le mur. Ah! Ok. Bien. Bon, donc là, non. C'est assez génial, en tout cas, je trouve, personnellement. J'espère que c'est quand même intéressant à regarder. Donc, il nous reste... ce truc là, il y a de la lumière, est-ce qu'il faudrait pas le mettre là, le ce truc là, non, dommage, là alors, il y a quoi de l'autre côté là, c'est juste un demi-cercle. C'est juste un bol en fait. Ah, à mon avis là, ça va s'enclencher quelque part comme ça. Je pense. Bien. Alors il y en a une boîte qui nous a rajouté là-bas. J'imagine que c'est la suite. Ok. Putain. Une lentille d'oculaire encore? Oh merde, ces cristaux semblent inhabituels, peut-être que devrais-je utiliser cette nouvelle lentille pour les examiner. Yes. Grave. C'est étrange, ils semblent m'attirer vers eux. Entrer dans le portail. Oh yes, comme dans le... Comme dans... C'est dans Old Scene, c'est ça? Appuyez maintenant une des touches enfoncées, puis pointez vers les cristaux.
relâchez pour entrer. Nom de Dieu. What the fuck? Faut le tourner à moitié. Ah, ah. Non, j'ai pas le vertige du tout. Ah, putain. Oh, ok. Ok. Donc, on peut pas utiliser l'oculaire là, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok. Là, c'est pour sortir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Oh non, 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 non. Oh, je suis à l'intérieur du mécanisme, putain. Ah. Oh putain, c'est super bizarre. Ok. Ah. Oh, ok. Où ça va, ça? Y'a rien là? Ok, on peut pas le tourner? Non. Ok. C'est là, je pense. Cette carafe qui semble à sa place, mais rien ne se passe. J'ai certainement oublié quelque chose. Bah, il faut la remplir peut-être. En fait. Ok. Peut-être là-bas. Voilà. Yes. Ça doit être de l'eau bénite. C'est génial. Ah, et à tous les coups, il va falloir le bouger. Et on va avoir un temps limité pour rentrer. Potentiellement. Oh, ok. Oh la vache. Alors, il faut pas refaire le motif. Que là. Ça. Ouais. C'est bon. C'est vert. Ouais, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que... Ok. Ah ok, non, c'est pas fini. Ah mais si, c'était bon.
Ça a l'air d'être enfin, vert, vert violet, enfin, violet, vert, jaune, vert, rouge, rose, rouge, bleu, foncé, bleu clair. Mmh. Si je l'inverse complètement, je peux. Ah, je pense que c'était bon hein, quand ça flashouille blanc, oui c'est bon. Je vois pas pourquoi il nous perd. À tous les coups on va devoir le faire plusieurs fois. Okay. Et ça c'était juste pour. Me le faire flashouille là. Ouais, je sais pas. Barneau. Alors, si je fais ça. Yes! Là, on voit sur le bouquin là-bas, là. Là. Qui a. Ok, à tous les coups, ils ont chacun un code couleur qu'il va falloir faire avec ça pour allumer toutes les loupiottes de la boîte. Je suis sûr. On va commencer par celui-là, puisque ça se voit. Est-ce qu'on peut. Oh, elle va me donner un truc. L'étoile en bois. Lender, merci. T'es pas creepy du tout, toi. Lui, il vient d'Elden Ring. Ok. Donne-moi ta bébé. Ok. On voit qu'il y a des. Il va y avoir un puzzle, enfin un truc à foutre dedans. Okay, donc potentiellement on peut faire ça là. On va pouvoir faire celui-là. Est-ce qu'il faut s'en rappeler? Ça va être compliqué. Hein. Bleu jaune. Plutôt on va commencer par le centre. Jaune bleu. Vert rose. Rose jaune. Jaune bleu, vert rose. Ah, on peut changer. On voit le. Ah, comment on pourrait faire ça? On peut changer là. Faire en sorte que ça vise autre chose en fait. Ok. Je sais pas comment on peut faire. Comme ça peut-être. Le
On peut pas... Non. C'est quoi le truc que j'ai là? C'est pas là, ça? Merci. On doit pouvoir faire tourner la plaque là. À mon avis. Ok. Non, attendez, où mettre cette étoile? C'est pas là. On va aller voir par là. Là, on peut plus là. Donc on puisse toujours. Voilà, ok. Là non plus. Il y a quelque chose derrière là. Pourquoi je te laisse rien, ok? Ah non, ça on peut pas lire. Ok. Putain. Ah, regarde en bas en fait. Ok. Je sais que je me rapproche, je peux le sentir, je peux l'entendre. Des mondes dans d'autres mondes. Le vieil homme n'aurait pas pu savoir que ce que cette lentille révélerait. Pourquoi aurait-il transmis quelque chose d'une telle valeur? Je peux entendre l'artefact, je suis tellement proche. Oh là là. Wow. Donc c'est les trucs qu'on a bougés de l'extérieur. Il va falloir les débloquer en faisant quelque chose. Mais alors quoi? Ah, il va falloir tourner le bordel. Avant.
peut encore aller bloquer un côté, c'est ça, non? J'imagine. Oh putain. Pourquoi il se remet dans l'autre sens? C'est bizarre. Ok, alors attends, on va essayer voir maintenant. Est-ce que... Peut-être que du coup, il faudra revenir après. Voilà, je pense. Alors, est-ce qu'on peut crocheter la serrure là-bas? J'en doute, mais bon. Elle est trop proche cette porte. Est-ce que... Ok, je m'assois. Ah oh, d'accord. Là. Merci. Got me. Nom de Dieu. On a toujours le... Une trappe là. Je vais tomber, non? Ok. Non. Non plus. De nombreux templiers tombèrent lors d'un combat acharné. La lumière blafarde de la pleine lune en dévoilait l'horreur. Mm-hmm. Là. Non? Ça bouge pas, ça? Bon. Eh ben... C'est pas pour tout de suite. Sinon, on peut crocheter l'autre porte. C'est vraiment bizarre, les trucs qu'ils ont derrière. Ils nous l'ont tous, je crois. Elle est où, l'autre porte fermée? Là. Ok. Ouais, je peux pas la récupérer cette fois. Ça va être la dernière à ouvrir. Ok. Eh ben, un objet lourd en forme de marteau, on sait où ça va. Et une cale en bois, on sait aussi où ça va. L'orgue ne fonctionne pas, je pourrais peut-être trouver un moyen de le réparer. Grave. Ok, nickel. Et alors, on sait où ça va, mais j'ai oublié. C'est quoi? Donc ça va, sont dans la nouvelle pièce. Et ce truc-là, surtout, ça va. Pas là. Là. C'est comme ça qu'on va réparer l'orgue à tous les coups. Ok.
Ah. Ok. Voilà. Ok. Il va falloir les pousser jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut aller jusque là? Il faut pousser l'autre. Ah, problème là. Faut sortir ces trucs là, mais je vois pas trop comment. Pourquoi est-ce qu'on peut toujours aller là? C'est abusé. Je veux juste aller là. Je peux pas aller là juste. Ok. Oh. On peut aller là aussi, putain, c'est énorme. Mais c'est quoi ce bordel? Il manque autre chose. Est-ce que je peux accéder à mon inventaire? Yes. Ah, il faut peut-être. Il faut que je puisse aller là, mais comment? Ah, d'accord, ok. Compris. En bougeant, en fait. Le grand. Ça, là. Mais on peut plus bouger. Ça a ouvert ça. Je pensais qu'on allait pouvoir peut-être pousser le tuyau. Mais là, on peut pas. Ok. Est-ce que je peux passer par le trou là? Non. Est-ce qu'on peut. Eh ben ça fatigue. Et on peut plus bouger ces trucs là, donc ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Mais à tous les coups, il faut ressortir. Je pense qu'il faut ressortir. Ok, si je fais ça.
Ah, yes, c'est ça. Ça se voit, en fait. Faudrait savoir lequel mettre. Parce que il faut pouvoir aller atteindre ce truc là. Donc il faut que l'ouverture. Il faut qu'on puisse sortir là. Ça nous dit où ça va sortir en fait. On va essayer ça. Yes. Un petit tuyau d'orgue. Faut le remettre là. Bordel. Je vais le mettre là. De l'autre côté alors. Magnifique. Par contre, mon cerveau va péter un plomb là. Va falloir stop. Ok. De ce côté-là. Merde, pardon.
vu que t'es d'accord, ok. Et là, non, pas plus. Donc à tous les coups, l'orgue fonctionne correctement maintenant. Fuck. Non. Je sais pas où il fallait aller, mais... D'accord, il faut éclairer, il faut virer toutes les... Ok, c'est trop bien. Attendez, faut que j'aille tout à gauche. Chiant là. Comment est-ce qu'on le fait? On va arriver. Je vois pas trop comment. Faut que je le descende plutôt comme ça. Ouais, mais après, si je descends ça, ouais, ça descend. Elle va partir par là. Il faudra vite que je fasse ça. Ah non, parce qu'il va falloir. Non. Fuck. Sur le chat. Ok, en même temps, je vous comprends. Je la lis pas constamment. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait la baboule? Non. Ok, et non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, faudrait capter déjà comment. Est-ce qu'elle irait par là? Non, par là. C'est ça en fait, faut qu'elle arrive là. Et qu'elle arrive sur celle-là. Et du coup, si elle arrive par là-haut, peut-être moyen. Ensuite, on va
Yes. Et ensuite... Putain, bordel de merde. Faudrait les screens de ça. Je mémorise. C'est compliqué. On peut le prendre peut-être? Ah, on peut le prendre. Yes. Il y en a oui. Quelle heure il est? Minuit. Ah bah on va s'arrêter là en fait. On va s'arrêter là parce que je commence à fatiguer. Ça fait c'est compliqué. On va se mettre là. On va voir où est-ce qu'on le met en fait surtout. Il va peut-être aller là. Ça va falloir l'ouvrir tous les coups. Ok. Bien. Et ben on va s'arrêter là. Ah. Oh de Dieu. T'es passé sur Elden Ring en VR du coup. Exactement. T'as tout compris, KJ. Coucou. Eh bien, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, j'ai lu des Delino avec l'épisode numéro 1 de The Room, Dark Matter, en VR. Merci beaucoup et à la prochaine.